Voilà, on a retrouvé quelques photos de tout ton parcours à DAC de plus de 15 ans. On proposait Ouais. de les commenter. Pour commencer, voilà, une photo de ta première saison avec l'US DAX. Bah écoute, déjà à première vue, c'est capillairement déjà ça change. Alors, on va pas se mentir. Mais non, c'est vrai, ce qui saute aux yeux, c'est surtout la jeunesse. C'était il y a combien? Il y a 14-15 ans à peu près. Donc voilà, c'est vrai que c'était il y a déjà très longtemps avec le maillot de l'équipe première. Donc ouais, c'est surtout la jeunesse qui saute aux yeux. C'est quelque chose qui te marque quand tu commences une carrière dans le monde professionnel. C'est vrai que c'est les débuts, c'est ce qui te marque. Donc en plus, quand t'as comme coach Marc Lièvremont qui est connu et reconnu dans le monde du rugby, c'est vrai que c'est quelque chose qui forcément te touche et qui te marque pour la suite de ta carrière. Je suis nostalgique de toutes ces bonnes années passées en équipe première quand le club marchait bien, quand les résultats suivaient, parce que c'est vrai qu'on a ensuite connu des saisons galères, mais certainement qu'on y reviendra. Mais ouais, oui, parce que la ville était... La ville bougeait bien plus qu'elle ne bouge maintenant. Il y avait bien plus de choses à faire. Le rugby marchait mieux que maintenant. Mais voilà, c'est derrière aussi. Ça fait partie du passé. C'est des choses qui ont été bien et qu'on garde en mémoire. Mais le premier match de ma carrière en tant que joueur professionnel, c'était contre Mont-de-Marsan. On s'en souviendra toute sa vie de son premier match, encore plus quand c'est un derby, et encore plus quand on gagne à Mont-de-Marsan, parce que malheureusement, contre Mont-de-Marsan, que ce soit à Dax ou à Mont-de-Marsan, j'ai plus souvent perdu que gagné, il faut se l'avouer. Mais non, on s'en souvient, c'est des matchs qui marquent, parce que ça, c'est totalement différent, en plus de cette période de Covid où il n'y a plus personne au stade. Ce qui marque le plus dans ces derbys-là, c'est surtout ce qui se passe autour du stade. Il y a une ferveur, il y a des supporters qui n'attendent que ce match, qui cochent ce match dès la sortie du calendrier. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on attend nous aussi, surtout quand on est pur produit d'Aqua. Et ce qu'on aime plus particulièrement, c'est la ferveur qu'il y a autour de cet événement. On a participé à un derby l'année dernière, qui était le derby de Tyros, et malheureusement on a pu faire que le match aller et pas le match retour. Donc voilà, mais oui, forcément ça manque. Ça manque et moi j'étais plus attaché, si tu veux, à ces derbys contre Mont-de-Marsan qu'à ces derbys contre Tyros, parce que j'étais plus habitué à jouer contre Mont-de-Marsan que contre Tyros déjà. Mais oui, ça manque, ouais, forcément ça manque.